Ça va, j'ai pris un peu le courant, mais ça va aller. Oh là là, non. Alors, je vais d'abord me présenter. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas très important. Je suis donc... est-ce que ça s'imbrique, ça? Mais oui. Alors, je suis donc le nouveau toutou. Attention. Ah non, tiens, il pleut. Je suis donc pas le toutou. Non, je suis le tout nouveau directeur de ce centre de recherche théâtral indépendant, donc le CRETIN, le crétin. Donc, et puis attention, oh c'est. Donc je reviens. Gagné. Il y a un côté qui est plus court que l'autre. Oh les soldes. Alors je suis. Oh mais c'est. Alors en tant que crétin. Est-ce que ça chauffe, donc ça semble du tout. D'ailleurs, je voudrais simplement. Oh là là, regardez. Il y a une mêlée. Où est le ballon? Alors, en tant que. Je dois quand même vous dire une chose. Je n'aime pas bien. Oh là. Regardez. Il y a de l'eau. Je n'aime pas bien ce mot-là, directeur, parce que je trouve ça c'est vilain. Comme je suis le directeur, oh, c'est très vilain. Oh, ça glisse. Non, je n'aime pas. Je n'aime pas bien ce mot, directeur. Non, je préfère le mot paroxysme. Oui, je sais. Ça ne veut pas dire la même chose. C'est un petit peu ça l'inconvénient. Mais enfin, bref. Sors de là. Alors, depuis... Oh, mais c'est... Donc, depuis que je suis donc le paroxysme de ce crétin, j'ai donc... Oulala, bougez pas. Il y a un lièvre, il est où? J'ai donc décidé avec l'ensemble de l'équipe... Et puis, attention. Non, tiens, j'ai perdu un essuie-glace. Je n'aime pas bien ce mot-là, IT, parce que ça fait penser au personnel, puis j'aime pas le personnel, alors bon... Allez, on le fait. Alors, je voudrais simplement vous dire que je préfère dire les boulets. Alors, en tant que paroxysme du crétin, j'ai donc décidé avec mes boulets d'organiser cette soirée caritative au profit de ceux qui sont comme ça dans la rue à quatre pattes, plus ou moins un poil. Je pense à tous ces chiens errants. Arrêtez, il n'y a pas de laine. Alors, tiens, je demande... Je vous demande de... Oh non, je n'irai pas à l'écurie. Je vous demande deux petites minutes. Je voudrais brièvement, j'en ai pas pour... Ça passe. Je voudrais brièvement... J'en ai pour deux petites minutes. Je voudrais passer un petit coup de fil. Cherche. Allez, cherche. Trouvé. Bravo. Alors, t'es à la ramasse. Je vous demande deux petites minutes. Je voulais simplement passer un petit coup de fil au régisseur. J'en ai pas pour 30 ans. Alors, n'oubliez pas que c'est une soirée caritative au profit des chiens errants. Alors donc, le bénéfice permettra donc la construction de 150 niches dans le sud de Montluçon. Alors, je voudrais... J'ai fait trop de numéros, je sais pas s'il va répondre. Oh, pardon. Oui. Allô? Passez-moi le régisseur, il est où? C'est vous? Dites donc, faut arrêter de décrocher quand j'appelle. Hein? Alors, merde! Qu'est-ce que vous foutez avec la lumière? Alors? Les ampoules, vous les mettez où? Dans les mains? Hein? Arrêtez, Régis, regardez. Je suis miqué avec une oreille. Alors arrêtez maintenant. Arrêtez de me faire chier, Régis. Non, je vous rappelle que je vous embauchais par rapport à votre prénom. C'est plus facile à retenir comme métier, Régis, régisseur. Arrêtez! Non, je suis le requin, hein? Ça suffit maintenant, Régis. Non, arrêtez, c'est pas parce que vous êtes non-voyant que je dois pas voir ce que je dis. Alors ça suffit. Je raccroche, j'ai plus de pièces. Bien, alors, je voudrais d'ailleurs très rapidement en profiter. Je voudrais simplement... Oh, j'en profite maintenant. Tiens, voilà ce que j'en fais, ton canot pneumatique. Je pourrais avoir quelques imitations, s'il vous plaît. Je vais vous faire des petites imitations. Alors, je vais vous faire, par exemple, tiens, je vais vous faire Pierre Freinet. Personne ne le connaît, c'est pas d'importance. Je vous fais Pierre Freinet. Alors, voici très rapidement Pierre Freinet. Oh, le capitaine de mon Dieu. Alors, je vais vous faire. Maintenant. Je vais vous faire quelque chose. Regardez. Elles sont usées. Je vais donc vous faire. Maintenant, Pierre Freinet qui imite Jacques Brel. Donc, il y a un mort qui en imite un autre. Ça s'est jamais fait. Entendez bien l'oreille, j'en ai une deuxième. Oui. Voici donc Pierre Freinet qui imite Jacques Brel. Avec la mèche de nos brunicteurs avec nos tip-topas. Alors, bien sûr, maintenant, je vais terminer ce florilège d'imitation par... Regardez. La belle araignée sur le miroir. Je vais faire maintenant les 101 dalmatiens. Regardez. Le 1.
Le 2. Le 3. Lâche-moi. Le 4. Le 5. Ta gueule. Alors je suppose que... Oh, monsieur Ché, mais vous seul parmi les autres. Alors, je voudrais simplement maintenant profiter pour vous dire une chose. Vous avez envie de savoir comment est venu mon métier de paroxysme. C'est très simple. J'avais ciseaux papier. Ben dis donc, heureusement, je ne les ai pas aiguisés. Bien, c'est très simple. J'avais 11 ans lorsqu'en famille, on m'a emmené voir le CID de Corneille. Oh là là, ça chauffe rien du tout. Je me souviens parfaitement, lorsque nous sommes sortis du théâtre, il neigeait comme ceci. Alors, je vous fais la sortie du théâtre. Il y a une porte comme ça qui fait en même temps entrée et sortie pour des questions pratiques. Voici donc la sortie du théâtre. Il neigeait comme ceci. C'est ce jour-là que j'ai compris qu'on était mieux dans le théâtre que dehors.